Vous savez, la Terre pourrait accueillir 12 milliards d'êtres humains, sans pollution et sans surconsommation. Quelle belle théorie. Nous arrivions à presque 9 milliards d'habitants dans l'inégalité de partage de ressources, où l'argent dominait pour une infime partie de la population, laissant crever l'autre. On appelait ça le capitalisme. L'humain est incapable de regarder et d'apprendre l'histoire du passé, ses erreurs et ses conséquences. Il reproduit encore et encore la même chose, en pire. Le pire virus de cette terre, c'est justement la race humaine. Quand la majeure partie de la population ne pouvait plus payer sa nourriture, les guerres civiles ont éclaté un peu partout dans le monde. Je ne me souviens même plus comment la guerre mondiale a suivi. Aujourd'hui, la population mondiale est estimée à moins de 2 milliards d'habitants. Notre race est en déclin et nous survivons sur un système clanique. Et croyez-moi, nous payons fortement les péchés de nos ancêtres et les nôtres. Comme le reste, le climat est impacté. En hiver, au lever du soleil, il peut faire moins 10 degrés. Et 6 heures plus tard, il peut faire plus 10 degrés. Nous vivons au rythme de la nature. L'heure atomique n'existe plus, et ça, ça fait du bien. Ça, c'est moi. Depuis plusieurs jours, je marche loin des routes principales, coupant dans les bois, les forêts ou les champs. Je fais partie d'un clan aussi, comme beaucoup. Et comme beaucoup, j'ai ma propre fonction. Merde, putain, je suis où? Oh, ça me saoule. J'aime bien découvrir de nouveaux chemins. Je découvre cette terre comme si je la connaissais pas. Ces points hauts qui donnent de belles vues, sans pollution auditive humaine. Nous n'avons plus de pétrole à grande échelle. On profite du vent, des oiseaux quand il y en a. Et nous sommes tous, plus ou moins, sur nos instincts primitifs de race animale. Donc ok, là-bas, il y a un clan. Merci. Donc il y a un clan qui est là-bas. Et il est à 3 km, celui-là, plein nord. Et moi, je vais là. Bon bah, un café, puis c'est parti.
putain, j'ai plus de café. Oh, je vais devenir con, putain, j'ai plus de café. Putain. La vie, c'est de la merde. Putain. Là, ça m'emmerde. Même si nous sommes moins sur cette putain de terre, depuis la guerre et la création des clans, le café fait partie des ressources très rechargées. Comme le chocolat ou encore le sucre. On peut même plus faire de confiture. Il y a des ressources où l'on ne penserait pas manquantes avant tout ce bordel. J'ai le choix entre continuer à faire la gueule assis ou me bouger le cul vers mon objectif en fuyant quelques maisons à la recherche de café. Le problème est d'éviter un maximum les clans, ne pas tomber sur les putains de Crosshunter ou les repères d'Inoxy. Tout ça pour du café. J'ai usé trop vite mon rationnement. Bon. Bah, je me bouge le cul. Ça sert à rien de rester planté là comme un navet. Allez, go. Un coup sur deux, les explosions sont provoquées par les Crosshunters. Et quand il y a explosion, vaut mieux pas rester à côté. C'est un coup à se faire choper. De toute façon, par là où je passe, il n'y en a pas. Ah, les éoliennes. Cette invention adulée par les anciens pseudo-écolos, pas foutu de faire la différence entre une mouette ou un goéland. Ces gens prenaient l'énergie verte. C'était le nom, énergie verte. Pourtant, ces saloperies, outre le fait qu'aujourd'hui c'est un très bon point de repère sur les cartes, c'est pourtant fabriqué avec des matériaux non recyclables. T'en foutrais l'énergie verte, moi. En tout cas, aujourd'hui, les écolos sont un peu comme les financiers, pour le peu qui reste. S'il y en a un qui l'ouvre un peu trop pour refaire le monde d'avant, généralement, il finit au bout d'une corde. Certaines éoliennes sont encore fonctionnelles, et celui qui connaît le système se branche dessus. Il y a des clans qui ont le courant grâce à ce truc. Les centrales nucléaires sont à l'arrêt, surtout après l'explosion pendant la guerre de 4 d'entre elles. Il n'y a pas assez d'ingénieurs pour la maintenance de tout le système, et je crains que ce problème pourrait empirer. Je vous ai dit que l'humanité est en déclin, donc c'est pas fini. Je me demande s'il y a des gens qui prient Éole, dieu du vent. L'éolienne a un bruit particulier quand même. Je n'ai aucune idée du temps passé à marcher. Je me repose un peu avant de partir et je passerai par les bois, je serai moins voyant.
L'humain est partout en petit nombre. De vieilles croyances refont surface, surtout la croyance sur la nature, nommée animiste. Faut pas rester longtemps dans le coin. J'ai repéré un camp pas loin, c'est sûrement eux. Personne. Je suis parano ou quoi? N'importe quoi. La paranoïa est une mauvaise chose. Elle empêche de bien réfléchir, de ressentir ses instincts. Il est impératif de bien ressentir quand on fait un long trajet. Il y a des jours où il ne se passe rien. Et il y a des jours où j'aimerais qu'il ne se passe rien. Putain.